Salut à tous, c'est Falcor sur LEGO Star Wars, la saga Skywalker, et a priori, dans cette vidéo, on va terminer l'épisode 3. C'est parti, mon kiki. Je suis avec Padmé, je dois rejoindre Anakin sur Mufasa, Mustafar. Je m'aide de mon super sprint. Attends, il n'y avait pas un raccourci? Non? Je suis obligé de cavaler comme ça, comme un taré? Et bah heureusement que j'ai le super sprint alors. Allez, cours, cours, cours! C'est quoi ça? Ah oui, c'est pour faire la mission. La première mission du deuxième épisode. Je continue l'histoire. Quel camouflage habile! Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est tout rouge? Ah, c'est un petit groupe de Forban à déboîter. Éliminez la cible. Ah, la cible. Je n'arrive pas à le toucher. Ok, alors faut viser le petit point blanc. Bip 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 bip. C'est un bâtard. Ah, ils sont trop nombreux. Dynamite rien du tout là. Je crois qu'il en reste plus qu'un. Et voilà, j'ai gagné 5000 pièces les gars. Alors du coup je dois aller Coruscant, très bien. Coruscant, attends mais genre toute la planète est comme ça là, vous vous foutez de quoi? Bon c'est le côté un peu débile de Star Wars quand même. Alors ça non, interdit. Faut viser la petite étoile. Non? Ou pas? Ce droïde n'a quand même pas besoin de tous ses vaisseaux en or. Si? Quoi qu'il en soit, celui-là m'appartient maintenant. Mais qui es-tu? Hé, hey, c'est le mieux que vous avez. Hé, hey, c'est le mieux que vous avez. Hey. Ok, je n'insiste pas. Attends, mais où est le petit logo là? Carte galaxie. Ah ouais, c'est peut-être mieux de faire comme ça. Voilà. Parce que là, j'étais perdu. Ouais, 3 minutes là, et puis il s'est rien passé. C'est quand même un vaisseau dégueulasse. Hein. Voilà, on reconnaît, là, on reconnaît bien Mustafar, pas de problème. Oh, ah, il y a une autre petite étoile là. Voilà. On démarre le niveau. Donc là, pour le temps qui se pose, encore une fois. Alors là, une planète avec que de la lave, évidemment. Voilà. C'est l'univers Star Wars. Les séparatistes ont été mis hors d'état de nuire, mon maître. Alors, c'est donc la fin. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me faisais du souci pour toi.
Obi-Wan a dit que tu étais passé du côté obscur. J'ai amené la paix dans la République. Tous les deux, nous pourrons régner sur la galaxie. Obi-Wan disait vrai. Tu as changé. Les Jedi se sont retournés contre moi. Ne fais pas comme eux. Anakin ! Si tu n'es pas avec moi, alors tu es contre moi. Non. Ah là, c'est un boss. Seul un Sith est aussi absolu. Je ferai mon devoir. Dans la saga complète. Et c'est rare. Eh ben, on était. Enfin, les deux personnages jouables, c'était Anakin et Obi-Wan. Les deux devaient avancer en même temps. Attends, il a tout ça comme barre de vie là ? Ah oui, il a l'air tout fragile, donc ça va. Comment ça bloquer ? Ah, il a perdu une... Oula, oula, oula. C'est pas moi qui contrôle. Tu l'as monté contre moi. Non, tu as fait ça toi-même. Reviens ici, salaud. Anakin, attends. Attends, on est copains. En fait, ce serait gentil de me laisser reprendre mon souffle une seconde. Anakin, attends. Fais-nous passer cette porte. Vos désirs sont des ordres, maître Kenobi. Ah oui, mais comment tu fais? C'est là? Non? Ah! Nous devrions essayer d'ouvrir cette porte plus vite pour mettre Kenobi. C'est n'importe quoi. Et là, c'est R2-D2 qui va faire quelque chose. Oups, me suis trompé. Bon, c'est pas grave. À chaque fois, je me trompe de côté. L'Empire prospérera sous mon règne, mais tu ne seras pas en vie pour le voir. La vieille alarme, comme dans Splinter Cell. Je sais plus dans lequel on entend une alarme comme ça. Ah ah! Mais je voulais fuir! Je peux pas améliorer mes coups de sabre. Il n'y avait pas un truc. Ah non, faut que j'aille vachement loin pour être plus fort. Bon, c'est pas grave. Hey! Voilà. Il y a Midi qui est en plein milieu, on ne s'en occupe pas. Reviens là, bon Dieu. Wow, wow. Les Jedi éliminés, je renverserai l'empereur et je prendrai le contrôle de mon nouvel empire. Anakin, ton nouvel empire. Maître Kenobi, nous devons l'arrêter et aller retrouver Mademoiselle Padmé. Je crois qu'il faut que tu sois entier. Le contournement manuel. Mais non, faut que j'arrête de maintenir rond. C'est juste un petit clic. Bah oui, voilà. Je vois pas trop l'intérêt de ce truc. Enfin, il y a 4 choix. Alors peut-être que plus tard, il y aura... Enfin, il n'y a pas 4 choix, justement. Et on dirait qu'il y a 4 choix, mais il n'y a qu'une seule option possible. Donc peut-être que plus tard, il y aura... plusieurs choix possibles. Salut les mecs.
Les Jedi m'ont trahi. Ils ont trahi la République. Oula. Ils méritent leur sort. Tu as laissé ce seigneur noir pervertir ton esprit. Je ne pense pas que cette usine passerait une inspection de sécurité. Ouais, non, il y a peu de chance, hein. Pipoulou. Ah, Anakin, s'il te plaît, tu n'as pas besoin de faire ça. Mais si, il a besoin, enfin, c'est pour son nouvel empire. C'est lui qui l'a dit. Faut que je change de bonhomme, peut-être. Ah, j'ai pas eu le temps de faire le contre. Alors, comment je fais? Bah, fallait que j'aille là, on est d'accord? Attends. Voilà. Voilà. Je vais avoir besoin d'un très long cycle de repos après. Mais... ça. C'est n'importe quoi. Cool, on construit l'usine. Ah, salaud. Ah, la nouvelle barre de vie. Ça tangue un peu, dis donc. Je vais essayer de faire des pirouettes un peu là. Voilà, je fais les petits sauts et tout, c'est beaucoup plus classe. Je t'ai perdu, Anakin. Je t'ai perdu. J'aurais dû me douter que les Jedi conspiraient pour prendre le pouvoir. Tu dis n'importe quoi, enfin. Je ne vise pas du tout, hein. Vous voyez, je dis excuse moi, je spam croix et c'est tout. T'inquiète pas, gros. Voilà, je te crois. Pilu pipu. Prends ça dans les dents, Assassin's Creed. Bon, bon, bon. Démonétisation. Anakin, le gentil n'est pas le Palpatine, c'est le mal absolu. Pour moi, le mal, ce sont les Jedi. Eh bien, tu es perdu, alors. Ils sont où, les droïdes? Ah. Ça suffit, Anakin. Veux-tu? Est-ce que je suis pas tout seul, hein, y a pas que Obi-Wan. Quand on joue à deux, là, mais comment on fait? Le deuxième, il attend comme un gland. C'est mal connaître mes nouveaux pouvoirs. Ne prends pas ce risque, Anakin. Ah voilà, emmène-moi s'il te plaît, parce que je me sentais pas de sauter. Voilà. Ah, quand même. Alors la question c'est comment on fait? C'est 3 PO qui sautent, on aura tout vu. Pipou pipou. Voilà, droïde. Oula, est-ce qu'on est sûr que c'est une aide? Ce n'est pas la seule solution, Anakin. Yeah.
Tu es foutu, Anakin. Il te reste qu'une barre de vie et elle ne se régénère pas, alors que les miennes, oui. En plus, mes droïdes sont toujours au bon endroit au bon moment. Alors attends. Voilà. C'est la fin. On regarde en haut à gauche de mon écran, il y a marqué Battre Anakin, il n'y a pas d'autre option. Petit saut, pirouette, saut, pirouette, pirouette, saut. Eh mais attends. Ah vite, il faut aller vers la fin du niveau. C'est fini Anakin. Je te domine. Tu étais l'élu. C'était toi. Je te hais. Voilà. Il est encore en vie. Nous devons sauver les bébés. Les bébés? Ce sont des jumeaux. Séparés, il faut qu'ils soient. Ma femme et moi prendrons la fille. Et qu'en est-il du garçon? Sur Tatooine, dans sa famille, envoyez-le. Oh, j'ai bien peur que vous ne l'ayez tué. Vous ne maîtrisiez pas la force de votre colère. Non ! C'est n'importe quoi. Enfin, Dark Vador, oui. Oh. Mon méchant préféré de tous les méchants. Mais t'es Dark Vador dans Dead by Daylight, enfin. Bon, ça n'aurait pas tellement de sens. Voilà. Bah écoutez, voilà, c'est fini pour la revanche des Sith. Donc évidemment, prochaine étape, un nouvel espoir. Qui est là? Oh, ça va devenir extrêmement intéressant. Et bien tout ça, ce sera pour le prochain Let's Play. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Falcor, des bisous.